Dimanche 16 octobre, bonjour. Allez, petite review du jour avec le Dougie S96 GT, une évolution du 96 et du 96 Pro. Donc c'est plutôt pas mal, hein, Helio G95, une bonne batterie, de la caméra Sony et Samsung devant et derrière. Bon bah encore une fois, il va pas être cher, 200$ hors taxe. Le téléphone est plutôt sympa, résistant, tout ça, grosse batterie. Bon après, il faut aimer les gros, mais on a dit qu'il n'y a pas que le physique. Allez, la petite montre qui devrait te faire kiffer avec l'Amazfit Falcon. Oui, et coach intelligence artificielle. Bon ok, la montre elle claque avec son écran AMOLED. 1000 nits, hein, comme un iPhone, étanche 20 ATM, et encore une fois, l'intelligence artificielle permettra de gérer des entraînements 150 modes sportifs. Elle a le GPS, elle reste allumée tout le temps pendant que tu fais du sport, elle est plutôt belle, elle a tout ce qu'il faut, elle est compatible avec Adidas, Apple Heat et Strava, et elle a une autonomie jusqu'à 14 jours. Bon, forcément, elle vaudra 500 balles, mais bon, quand on compare à une Apple Watch ou une grosse Garmin, c'est les prix. Lundi 17 octobre, bonjour. Hier soir sur GLG Vidéo, il y avait un live, oui, le live à 17h. Si vous voulez en savoir plus sur la storytelling JT Geek et GLG, vous pouvez regarder le rip. Petit lancement du jour avec le Kubo King Kong Mini 3. Bon, premier point, la marque pour son lancement a décidé de vous en offrir 10. Quand même plutôt pas mal. Et ensuite, vous pourrez précommander le téléphone. Un petit téléphone avec un écran de 4,5 pouces en QHD avec un petit Q 6 plus 128. Caméra, bon, 5 millions à l'avant, 20 millions à l'arrière et une batterie 3000 mAh. C'est tout juste bien en fait pour un petit téléphone. Et enfin, on parlera du Poco C50 qui se dévoile enfin et qui sera simplement un A1+. Oui, Poco s'est spécialisé dans les Redmi rebadgés. Alors, le A1 existe déjà sur AliExpress. Bon, c'est pas fou, hein. Helio A22, 652, voilà, 92€ hors taxe, forcément. Et le A1+, est tout juste pareil, mais qui a un écran un peu différent et un lecteur d'empreintes digitales. Le prix devrait être relativement similaire, et si vous pouvez pas l'acheter sous la marque Redmi, vous pourrez certainement l'acheter sous la marque Poco. Mardi 18 octobre, bonjour. Pas de review aujourd'hui, Ugreen a reporté le lancement, puisqu'ils ont pas de stock sur Amazon. Petit article sur le Dougie S96 GT, dont vous avez vu la review hier. Bon, bah, un upgrade du S96. J'ai bien aimé son Helio G95, ses petites caméras Sony et Samsung, full fréquence, micro SD, de la RAM, de la ROM, un téléphone résistant à un prix contenu, pas mal. La marque Nubia en Chine, via sa gamme Red Magic, propose un écran gaming 4K. En fait, deux écrans, parce qu'il y en a un avec une projection sans fil. Le prix est plutôt contenu, hein, 694$ ou 900$. On parle quand même d'écran 27 pouces avec technologie mini LED et toutes les connectiques qui vont bien. Dommage que Nubia m'ait pas contacté, j'aurais bien kiffé ces écrans. On commence à teaser également le nouveau Vivo X90. Forcément un upgrade du X80 qui reprendra cette politique avec deux processeurs, une gamme classique avec un Dimensity 9000+, et une gamme avec un Snapdragon 8 Gen 2. Bon, les performances sont très très proches, mais ça permettra d'avoir un normal, un Pro et un Pro Plus. Bon, là où ça devrait piquer un peu, c'est sur la version Plus avec une caméra Sony IMX 989 avec un capteur d'un pouce. Mercredi 19 octobre, bonjour. Le Samsung Galaxy S23 est passé par Geekbench et il aura bien un Snapdragon 8 Gen 2. Car oui, si Samsung fait ses propres processeurs Exynos, le 2200 a eu énormément de problèmes, donc il pourrait y avoir un plan. Il y aura donc bien des versions avec Exynos et certainement pour les États-Unis une version avec le Snapdragon 8 Gen 2. Gros processeur, gros GPU, bête de course. Bon, Meizu ne sera décidément plus le Apple chinois et pourtant il continue à faire des produits, notamment des webcams. La Meizu Life Me Smart Camera Pro est donc une webcam avec un capteur Sony IMX 581 de 48 millions de pixels avec un angle de 107 degrés et des vidéos en 4K 30fps. 6 lentilles, 42 couches, 4 micros, effet 360 et tout ça ma petite dame pour 699 yuan, soit moins de 100$. Moi je suis preneur. On n'oublie pas de s'abonner jeudi 20 octobre, bonjour. C'est donc aujourd'hui que vous découvrirez ma vidéo de test du iPhone 14 Pro Max à 1 Tera. Les meilleures caméras que le iPhone n'a jamais fait, la meilleure batterie que le iPhone n'ait jamais fait, le meilleur Always On Display que iPhone n'ait jamais fait et surtout le meilleur prix que iPhone n'ait jamais fait. Oui, c'est la version 1 Tera. Allez, petite vidéo et fuite sur le OnePlus 11. Alors je vous rappelle, Oppo a récupéré OnePlus pour en faire une marque de leur gamme ou une gamme de leur marque, comme vous voudrez. On en apprend un peu plus sur le téléphone qui devrait bien évidemment avoir un Snapdragon 8 Gen 2, 16Go de RAM et 256Go de ROM, une batterie 5000 mAh, une charge 100 watts et 3 caméras, dont une 50 millions de pixels qui pourrait être une Hasselblad, bien évidemment, puisqu'ils étaient en partenariat, une ultra grand angle et un capteur téléobjectif 32 mégapixels. C'est pas mal, mais ça se vendra peut-être pas. Bon, et enfin, si c'est pas encore fait, je vous inviterai à me rejoindre sur mon Instagram où je vous présente la nouvelle Soco TC Max 2022. Je veux dire qu'elle est quand même plutôt bien présente. Mon pseudo c'est Greg Lucky. Vendredi 21 octobre, bonjour. On aurait donc une fuite des premières images du Xiaomi 13 Pro. Alors ce sera surtout une photo de l'arrière, hein, qui permettra de dévoiler un petit peu les caméras avec une inscription Leica. Oui, parce que par ça on sait pas grand chose, à part qu'il pourrait peut-être avoir un capteur Sony IMX 989 de 1 pouce, comme il y avait dans le 12 Ultra, mais les lentilles seront quand même plutôt différentes. Pour le reste de la config, on subodore, panneau AMOLED de 6,2 pouces en 2K, une charge rapide 120 watts, peut-être un lancement mi-novembre. Samsung vient d'annoncer son nouveau capteur 200 mégapixels ISO
Cell HPX. Bon, vraiment une évolution de l'ancienne, mais celui-là sera encore mieux avec un zoom 4x 100 paires. Et enfin, la taille des pixels sera inférieure de 12%, ce qui permettra en fait de rendre le module beaucoup plus fin, et ça évitera surtout que ça sorte un peu du téléphone et que ça déborde. Bah, c'est dégueu. Bon, après c'est la classe, hein. 3 modes d'éclairage automatique, des vidéos jusqu'en 8K 30 fps, HDR, double HDR, et mode 4K, Full HD, tout ça. Bref, vous allez le voir dans tous les nouveaux smartphones. Samedi 22 octobre, bonjour, Oppo vient de dévoiler en Chine une nouvelle Oppo Watch SE. Alors oui, le nom est honteusement pompé sur Apple Watch, mais bon, c'est la guerre. La montre est plutôt sympa, avec son écran AMOLED de 1,75 pouces, donc affichage permanent, des modes sport, enfin sans mode sport, et la prise en charge du eSIM. Une batterie 400 mAh avec charge rapide VOC, 10 jours en une seule charge en mode normal et 3 jours en mode complet. La particularité, c'est qu'elle intègre le nouveau processeur Snapdragon 4100+, dédié au monde, avec un coprocesseur Apollo 4. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, on dirait un téléphone. Bon, après, elle a tout ce qu'il faut comme une bonne montre, mais le prix est de 1000 yuan en Chine, soit 141€ hors taxe. Ça tise de plus en plus sur le Oppo Find N2 qui remplacera le N classique avec un écran AMOLED LTPO et un Snapdragon 8 Gen 1. Bon, ça claque et il devrait reprendre les particularités du N avec une batterie 4500 mAh, un lecteur d'empreintes digitales sur le côté. Bon, le seul problème, c'est qu'il est plié. Allez, cette semaine, j'ai appris que les anneaux de pouvoir étaient finis sur Amazon. Moi, j'ai abandonné depuis la semaine dernière et je pense qu'elle s'est finie vraiment dans le déni le plus total. Est-ce que vous avez regardé jusqu'à la fin et qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, House of the Dragon, c'est aussi la série qui cartonne en ce moment. Je regarde, je me force à regarder. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'accroche pas, c'est tout. Je vois pas du tout d'intérêt et je me suis pas pris dans l'intrigue, les personnages, tout ça, et ça finit avec des dragons et tout. C'est sympa, mais j'accroche. On parlera de Andor. Alors si épisode 1, 2, pas terrible, le 3, pas mal, 4, 5, moyen, le 6, super, et le 7, un peu moyen, mais ça ouvre une autre perspective en disant l'Empire, oui, contre-attaque, je ne sais pas, l'Empire, oui, mais par contre, comment c'est géré le pétrole, l'ergonomie, l'administration, la logistique, tout ça, et ça rentre un peu dans ces thématiques qui sont plutôt intéressantes, en fait, dans l'ensemble, avec le côté obscur de l'Empire. Cette semaine, c'est la sortie de Black Adam au cinéma. Je ne sais pas si je vais aller le voir au cinéma ce week-end, je me tâte, vous en pensez quoi, je dois y aller ou pas? Et enfin, ma série de télé préférée de la semaine, c'est The Playlist sur Netflix. L'histoire, un peu, voilà, il retrace l'histoire de The Spotify, ou comment il a créé Spotify, comment, avec quel argent et tout. C'est plutôt sympa, hein. Personnellement, moi je kiffe bien. J'ai déjà regardé le premier épisode parce que je vais pas binge-watcher tout ça le week-end. Je vais en prendre un par jour. C'est très sympa, hein. Vraiment, j'ai vraiment bien accroché le premier épisode et je suis impatient de regarder le deuxième. C'est une série que je vous conseille, ça permet d'avoir un peu l'histoire de Spotify. Et enfin, on finira par YouTube. C'est un peu ma nouvelle télé. Je passe beaucoup plus de temps sur YouTube qu'à regarder des films et séries télé. Cette semaine, qu'est-ce que c'était pas mal? Qu'est-ce que j'ai regardé un peu hier? Villebrequin, qui était disponible au salon de l'auto et tout. Alors, je sais pas si c'est l'effet salon de l'auto, mais ils ont quand même déjà fait 1 200 000 vues en quelques jours, comme ça et tout. Vraiment, ça cartonne. Une nouvelle chaîne YouTube que j'ai découvert s'appelle La Routine. Je vous conseille vraiment, hein. Ils testent des produits et tout. Il y a un ton qui est sympa et tout. C'est vraiment une petite chaîne YouTube qui est vraiment, enfin, une grosse chaîne YouTube même qui est sympa. Et je vous conseille de regarder. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah, vous connaissiez déjà. Tesla News France aussi, où ils parlent un petit peu des news Tesla et tout. Surtout là, un versus avec la Chine et là, comme ça. C'est très racoleur. Ça permet un peu de parler d'électrique puisque ça arrive sur GLG Review. Et enfin, Greg MMA, parce que je m'appelle Greg, mais mes rêves de MMA sont partis avec mon double avant-bras cassé. Un combat, encore une fois, cette semaine et tout, c'est bien, c'est distrayant, il y a du beau combat, j'aime bien son style et tout, voilà. Encore une fois, j'aime bien Ultimate Fighting aussi, vous me direz ce que vous regardez sur YouTube. Et voilà, c'est tout pour cette semaine avec ce résumé qui était un peu plus long en fin de semaine. On se donne rendez-vous demain pour le reste des news. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur JT Geek le blog, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait kiffer grave.